Et bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On est en voiture, c'est le sujet totalement choisi. Aujourd'hui, je vais vous parler de carrettes. Ah putain, mais il va encore faire quoi, Basseur? Il va nous faire de la merde encore, là. Qu'est-ce qui se passe, là, putain? Alors, déjà, on va faire un petit point. C'est au niveau de l'orthographe, d'accord? Carrettes, comme ceci. Et le point d'exclamation, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que... carrettes, ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire comme saloperie en faisant carrette? Eh bien, je vais vous expliquer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller voir des concessionnaires. Donc, Dacia, Peugeot, Renault, Citroën, Maserati, Lamborghini, vous voyez? Sauf que Maserati, Lamborghini, il n'y en a pas dans le coin. Donc, cherchez pas, je vais pas aller les voir. Sur des posts Facebook et Twitter, @RémiOfficiel, Facebook et Twitter, je vous rappelle. Et aussi sur mon Facebook perso, Rémi Basseur. Voilà, vous cherchez ça sur Facebook. J'engage ma responsabilité. Eh bien, je mettrai des posts, voilà, des statuts, et je marquerai que c'est pour carrette, forcément, parce que sinon, vous n'allez pas vous y retrouver. Et donc, je vous imposerai une marque pour un épisode. Par exemple, Peugeot. Exemple, voilà. Donc, je vous dirai, pour tel épisode, on va chez Peugeot. Et là, à vous de choisir, dans toute la gamme Peugeot, un modèle qu'on ira voir. Voilà, tout simplement. Et vous le marquez dans les commentaires. Et ensuite, on essaie de se mettre d'accord sur un modèle. Et à la fin, parce qu'on ne sait jamais, il y a deux options. Soit on a réussi à se mettre d'accord sur un modèle dans les commentaires de la vidéo, etc. Pas de la vidéo, mais les commentaires Facebook et Twitter, pardon. Soit il n'y a personne qui a commenté, ou alors on n'arrive pas à se mettre d'accord. Dans ce cas-là, à un moment donné, je prends la main et je vous dis, on ira voir tel modèle. Point final à la ligne. Du coup, ça fait un peu bâtard, mais à un moment donné, il faut quand même prendre le cheval à deux mains, tu vois. C'est une expression que je viens d'inventer, hein. Cherchez pas, il n'y a pas de... Donc, on va faire ça une fois par semaine. Les tournages vont démarrer. Là, on va commencer à tourner pendant nos vacances scolaires d'avril. Donc nous, c'est la zone B, donc on va être en vacances à partir du vendredi 7 avril au soir. Là, on va avoir 15 jours pour tourner un petit peu des vidéos de carrettes, notamment pour tourner les 6 premiers épisodes. On va faire 5 épisodes de présentation de voitures, et le 6e, ça sera le bilan avec les 5 premières voitures, à chaque fois les 5 premières voitures du palier qu'on aura vues. À la fin, ce qui va se passer, le but, c'est que vous mettiez des pouces bleus sur les vidéos, et à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est que on va recueillir les pouces bleus, et on dira, alors voilà, dans les voitures qu'on a essayées, sur cette période-là, celle qui a eu le plus de pouces bleus, c'est celle-ci. Et là, on s'arrangera avec les concessionnaires en question pour tenter de l'essayer. Parce que vous voyez que si j'arrive comme ça, admettons chez Volkswagen, hein, ils vont pas me la donner la Passat, hein, ils vont me faire va te faire foutre, hein, surtout si j'arrive avec cette tête-là. Donc, pour ça que c'est ça, on le met un petit peu en suspens, l'essai de voiture, parce que ça dépend si les concessionnaires vont vouloir. S'ils veulent pas, bah c'est tout, on va pas forcer. Hein. On veut pas créer des problèmes chez les concessionnaires. Globalement, c'est tout. Si vous avez des questions sur ce nouveau principe, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo. Il n'y aura pas forcément que des voitures neuves. À un moment donné, on va peut-être aussi faire des anciennes voitures. J'ai un pote qui serait prêt à me prêter sa voiture pour en faire l'essai, par exemple, directement. Et donc, voilà, ça serait aussi, ça jouerait, vous voyez, ce truc-là. Parce que les voitures, c'est aussi une deuxième passion pour moi. J'ai l'informatique. Et j'ai aussi les voitures. Donc j'ai envie de faire ça parce que ça me fait plaisir, c'est une passion et voilà. J'aurais envie de faire quelque chose de bien. Et par passion, je pense qu'on va faire quelque chose de bien. Parce qu'on ne peut faire quelque chose de bien que par passion. Oh putain, c'est beau. Oh. Super belle phrase. Et faut la capturer, faut la mettre quelque part, mais je sais pas, mais il y a un truc à faire. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je vous rappelle, tout est dans ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Je viens de me claquer ma casquette, mais c'est pas grave. On peut aussi laisser vos commentaires sur Facebook et sur Twitter, @CérémiOfficiel, je vous le rappelle. La chaîne YouTube, Cérémi, bien sûr. Je le rappelle au cas où, on sait jamais. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, ouais, c'est une vidéo explicative, mais si j'ai mal expliqué, vous pouvez dire qu'elle vous a pas plu, vous voyez. Je vous laisse, et c'est fini. C'est la fin. Au revoir. Peace! Ah oui, avant de lancer le générique de fin, là. Attends, je suis abruti, moi, j'oublie des trucs, attends. Le premier épisode de Carrette, on ira voir la DS5. Et je peux vous dire le deuxième épisode. On va aller voir la Peugeot 208 GTI. Deuxième épisode. Les mamènes, on va se mettre tranquille. C'est-à-dire, tu vois comment on va se mettre? On va se mettre comme ça. Voilà. Je suis sûr que tu me vois plus. Mais je m'en bats les couilles, tu vois. On va se mettre comme ça, allongé. Ah voilà. Tu vois...
Il n'y a plus aucun problème. Voilà, là c'est vraiment fini. Là, tu peux lancer le. Vas-y, balance-le.